Là-bas, tout est géant. Vraiment tout. Surtout les bonbons. Les sucettes, on peut les sucer pendant 3 mois. Mais pourquoi t'as besoin d'y aller? Nous, genre, avec Lucie, on n'a pas besoin d'y aller. Pour fuir le présent, la réalité. T'as des problèmes avec ta famille? Non, t'inquiète, je suis en très bon terme avec ma famille. À l'école? Énervant. C'est monsieur... Comment il s'appelle déjà? Ah oui, Roquin. Le prof? Bah oui, d'anglais. Il m'énerve trop. Tout le temps, il est sur moi. Oui, je t'ai vu bouger. J'ai rien fait. Allez, tu vas en piquer. C'est oui, mais... Marissa, tu viens avec moi, je suis le proviseur. Allez, je suis le proviseur. Dès que j'ai une bêtise... Marissa, encore toi? Oh quoi? Franchement... Bon, maintenant vous savez, je connais le coin par cœur. Par cœur. Centimètre par centimètre. Il devrait peut-être repasser un coup de peinture parce que ça craint. Et t'inquiète, lui c'est pire. Hein. Il sait même pas brosser les dents depuis je sais pas combien. Non, en plus il pue la laine dès qu'il parle. Son fils c'est pas mieux. Ça c'est sûr. Non mais Johan, pourquoi il est à côté de moi, wesh? C'est lui à chaque fois il fait les bêtises. Mais comme c'est son fils, ah bah là on dit rien. Mais du coup on s'acharne sur toi. Ouais. Parfois la vie est injuste. Hein. T'inquiète pas, la prochaine fois que ça arrive, on t'aidera. On te protège. Bon, merci. Mais bon, ces temps-ci, j'ai perdu l'espoir, remarquez. Pourquoi? Bah, ça fait depuis assez longtemps quand même qu'il me parle mal, tout ça, et personne qui fait rien. Mais bon, c'est pas grave. Merci quand même, les cops. Salut Luxor! Mais elle est folle celle-là! Mais à qui tu parles? À qui tu parles? Tu parles à qui? Bah, à Luxor! C'est qui? Mais y'a personne! Bah, si! Bah, non! C'est l'araignée là-haut! Mais non, elle est partie. C'est le gardien de Gentissima, protecteur des bonbons. Mais il est où? Bah ouais, ça se fait pas. Toi, tu fais comme s'il était là.
L'histoire du jour, nous allons commencer par le menu du requin. J'ai mangé des crottes. Hé, la fille de Jean-Paul. Que vous faites, la fille de Jean-Paul, vous donne plus que vous n'ayez un menotte hier, hein? Bon. Hello. Hello. Bonjour, Dayo. Hey, it's me le teacher, hein? Mm-hmm. How are you? Et très, très, très bien. In English, je suis plaisant. Hein? Bon. En anglais, Qui a fait ça? C'est toi? Je sais pas. C'est toi? Mais non, c'est Johan. Mais c'est Johan, c'est sûr. Regardez. Il manque un orthographe. Non, ce n'est pas possible. Mon fils, il fait pas des bêtises. Je sais pas. Moi, je suis sûr que c'est encore mal ça. Donne-moi ta feuille. Dis le meilleur feuille. Ah. C'est la même écriture, regardez. C'est la même écriture. Non, moi, je fais pas des fautes d'orthographe. Mon fils, tu arrêtes de parler de mon fils, hein? Mon fils, fais pas les bêtises. Mon fils, papa, on n'a pas le droit. Je suis sûr que c'est toi encore. Non. Oh, je vais effacer ça, ça m'énerve. Monsieur, je vois pas, vous pouvez me dire ce qu'il y a écrit. Qui a fait ça? Ah, je t'ai vu le bras. Regarde, Mila! Maïssa, j'ai vu ta main se lever. Alors, Maïssa, je supporte plus, tu vas au coin maintenant. Non. Pardon? Non. Pourquoi m'a-t-il, papa? Je te refuse tout ordre omis. Oh, Maïssa, tu viens avec moi chez le proviseur, tu te dépêches. Pourquoi votre fils, lui, il est pas puni quand il dort? Mais parce que comment ça, il fait pas des bêtises quand il dort? Oui, ah, ouais, mais elle, quand elle dort, elle pourquoi Maïssa, tu viens avec moi chez le proviseur. Voilà, nous aussi. Maïssa, je vais appeler ta maman ou ton papa. Ça, c'est mon écriture. Allez, chez le proviseur. Mon fils, tu surveilles la classe. Hein. Toi, tu te réveilleras. Allez. Maïssa, si tu es là, c'est qu'on peut plus te garder maintenant. C'est qu'on peut plus te garder maintenant. On va te renvoyer. Mais c'est pas moi. C'est pas la première pas la fois première que vous venez dans mon bureau. Donc on prévoit, de vous expulser de l'école. Mais c'est pas moi, c'est Monsieur Requin là. Monsieur Requin, c'est ton professeur, tu lui dois le respect. Mais on est complètement dans l'année. Là, j'ai préparé une convocation pour tes parents pour pouvoir te renvoyer de cette école parce qu'on ne peut pas continuer avec un enfant comme toi. Voilà, mademoiselle, vous pouvez partir. Maïssa, je suis heureux de te revoir. Je sais que c'est difficile pour toi avec notre requin. J'aimerais tellement que le requin prenne conscience de ses agissements envers moi. Monsieur Requin, non? Ah, gentissima. Nous possédons des bonbons qui permettent aux humains de se rendre compte de leur action. Est-il possible d'en avoir un pour Monsieur Requin? Ce n'est pas encore le moment. Oh, j'aimerais tellement que vous ayez pu venir ici. Je ne les connais pas encore. Je les entre chez moi. Il faut que je les connaisse mieux. D'accord. Merci, Maïssa. Et à bientôt. Au revoir, Maïssa. Allez, Maïssa! Et c'est qui lui? Attendez, mais c'est même qui nous a. Non, c'est le gars de Pizza. Et c'est Enzo. Thank you.
Désolée les filles si j'ai été méchant avec vous, mais c'est parce qu'à la maison, bah, mon père il me frappe parce qu'il ne sait pas comment m'occuper de moi. Bah... Non, c'est pas grave, on va te soigner, t'es pas. Ok, merci. Je pense qu'il y a une pharmacie là-bas. Il y a des enfants. Hein. Combien de gouttes d'eau y a-t-il dans un verre? Dis-donc, Lola. Une. Pourquoi? Parce que comme ça, il est plus vite. Un point. Deuxième question. Je ne peux pas marcher, mais j'ai pourtant un dos et quatre pieds. Une chaise. C'est ça. Deux points. Troisième question. Je ne fais pas de bruit quand je me réveille, mais je réveille tout le monde. Le soleil. Quand je tombe, je ne me fais jamais mal. La nuit. Et maintenant, passons aux adultes. Comment verrais-tu les adultes de tes rêves? Qu'ils soient à l'écoute, qu'ils soient généreux. Parce que une dernière chose, comme si on était avec eux, avec des amis, quoi. Ouais! Tu as réussi l'épreuve des énigmes. Bravo, Lola. Il a pas de prénom. Et lui? Pas de prénom. Et le bébé? Ça va, non, ça va, ça va. Mais non, il n'y a pas de mouche, il n'y a pas de mouche. Ah ok. Il n'y a que les cigales. Oh, là-bas, regardez. Oh. Asseyez-vous, mesdemoiselles. Oh, c'est bon, bon. Oh, ah mince. La robe, elle est un peu grande, monsieur. Vous n'avez pas une autre en choc? Non. Pas grave. Voilà, vous avez dû demander gentiment. À présent, vous pouvez repartir. Nous reverrons. Au revoir avec Pierre et à bientôt et merci de nous avoir montré tout le monde. Oh regardez, un géant a oublié de mettre sa tongue. Ça va juste dans les bonbons, non mais... Il ne faut pas abîmer les bonnes choses. Les héros des vivres. Elles font preuve de courage et de persévérance dans leur vie. Elles sont même capables de pardonner et d'aider ceux qu'elles n'apprécient pas. Ce sont de bonnes petites. Je donnerai le bonbon à Monsieur Requin qui leur permettrait de prendre conscience de ses agissements avec Maïssa. Hey, what do you do? Hello. Hello. Qu'est-ce que vous faites au lieu de travailler là? Hein? Hello. C'est quoi ça? Happy birthday. Votre anniversaire. Bah oui, 50 ans, c'est beau quand même. Ouais, c'est un chiffre rond. Bon. Et puis, avec tout ce que vous nous avez appris, enfin... C'est vrai, ouais, quoi. Ouais, ouais, quoi. Chaque instant passé à vos côtés était une source de bonheur absolu.
J'ai des larmes aux yeux, mais qu'on pense. Yo, ça j'ose. Ya. Oui. Oui, vraiment sérieux. For me? Comme si j'en suis enfant. On vous a même réservé une part. Genre oui, regardez, votre part la plus grande. C'est la part, ça oui. Bah oui, la plus grande. Eh bien, vous allez mettre le doigt dessus et vous mangez un bout. Ok. Hein? Voilà. Mangez un bout. Mais je vais attendre, faut... voir. Des vous n'êtes pas mort sucrés. Alors, bah... c'était pas pour m'empoisonner. Ben non, mais... vous n'êtes pas débile. Mais... vous êtes vraiment gentil avec moi? Ben oui. Oh là 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 là. Je suis dame de moi. Qu'est-ce que vous êtes gentil. J'ai mal des bonbons. Oui, c'est vrai. Oui, vous n'avez pas vu. Mais la chantilly, c'est ce que je préfère. Oh, je vous attends pour manger. Plaisir. Bon, mais alors, à cette magnifique classe. C'est vrai. À ce magnifique prof. Oh, je sais pas ce qui m'arrive. J'ai reçu quelque chose du ciel. Oh, je me sens tout léger. J'ai envie de danser. Quelle grâce, monsieur. N'est-ce pas? C'est vrai. En parlant de grâce, je voulais vous demander pardon. Parce que grâce à vous, j'ai compris que la vie était plus belle quand il y a de l'amour, de la douceur. Et des bonbons. Du respect et de la gentillesse. Aussi, mea culpa. Je vous demande pardon, les enfants. Et toi, Marissa, je reconnais que j'ai été injuste avec toi. Plus qu'injuste. Alors, il faut que je t'avoue quelque chose. Quand j'étais petit garçon, quand j'avais ton âge, j'étais en classe ici. Et dans ma classe, il y avait ton papa. Et ton papa, il était beau, il était grand, il était fort. Et moi, j'étais petit, il était maigre. J'étais faible. Alors, je crois que j'étais méchant avec toi à cause de ça. C'est moi qui m'as donné toutes ces qualités. Alors, je te demande pardon. Est-ce que tu me pardonnes? D'accord. Yeah! Ah, je suis content. Ça fait du bien d'avouer ses péchés. Hein? D'être pardonné. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Pour mes 50 ans, je me suis rendu compte d'une chose. C'est que j'ai toujours cru que nous, les adultes, on avait raison et que les enfants, ils devaient écouter. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'on est pareil. On est à égalité. Et que des fois, les adultes, ils apprennent beaucoup des enfants aussi. Et oui. Et Maïssa, je vous apprends que vous n'êtes plus renvoyée l'année prochaine. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you, Monsieur Poisson. Happy birthday to you, Poisson, Monsieur Poisson. Et we finish in English.